nous sommes toujours au salon de la lingerie, mais maintenant nous sommes passés côté masculin, avec une nouvelle marque qui arrive sur la France et sur Paris, avec son créateur, son directeur commercial, José Vargas. Bonjour José. Bonjour Franck, comment ça va? Ça va très bien. Et cette marque, c'est Joe Snyder, bien sûr. Joe Snyder, c'est une marque mexicaine. Nous sommes dans les marchés depuis 30 ans, à peu près. Après, bon, c'est sûr, on a commencé à exporter vers les États-Unis parce que bon, c'est le marché qui est plus proche du Mexique. Et on a commencé ici en Europe depuis 5 ans à peu près. Et c'est un produit qui plaît très très bien, qui ça marche très très bien. Et qu'en plus, c'est un produit différent parce que ça peut être porté comme sous-vêtement ou comme maillot de bain. Et tous les designs, c'est dessiné de façon ergonomique, hein, qui s'adapte parfaitement à l'anatomie de l'homme. Tout à fait. Alors on va essayer de voir un petit peu parce qu'il y a tellement de variétés dans la collection Joe Snyder qu'il faut absolument qu'on vous la montre, cette variété. Premier élément, celui le plus entre guillemets classique, sans être classique, je crois. Non. Classique, sexy, on va dire. Les matériels, c'est de la microfibre. Non, c'est très doux à porter. Et c'est un shorty qui est quand même, il a un coupe très spécial et qui est très très confortable. Alors après, on passe évidemment dans le côté un peu plus rigolo. Avec des couleurs un petit peu plus brillantes, des choses différentes. Non, par exemple, vous pouvez porter ça à la plage, pourquoi pas, vous pouvez porter ça chez vous. C'est ce qu'on appelle en anglais un multi-purpose garment, parce qu'en fait, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. On continue avec quelque chose de très classique au niveau de la couleur, mais pas au niveau de la forme. Hein. Tout à fait ça, Franck. C'est même un slip, pardon, un boxer en microfibre, toujours avec notre logo, JS, ça veut dire Joe Snyder. Et toujours aussi, on reste sur les couleurs classiques. On a des couleurs plus vivantes, mais on a bien sûr des couleurs qui sont très, très basiques pour tout type de clientèle. Et des coutures toujours très bien faites, qui ne gênent pas, ça c'est important. Tout à fait, tout à fait. On fait attention toujours à la qualité de nos produits. Nous fabriquons tout au Mexique et c'est pour ça que nous pouvons contrôler la qualité du produit et bien sûr la qualité du service. Exactement. Alors après, on passe dans un univers très coloré, un joli arc-en-ciel. Tout à fait. Ça fait partie de la collection Rainbow. La collection Rainbow, la seule différence, c'est que la matière, elle est encore plus douce. On reste toujours sur les microfibres. Et on peut mélanger un petit peu. Par exemple, on a un slip ici qui fait partie de la même collection. La différence, par exemple, avec celui-là, on a un élastique ici. Ici, il n'y a pas. Et bien sûr, on peut faire toujours la combinaison avec les débardeurs. Exactement. Alors après, là, on est dans le côté très, très légèrement vêtu, moi, je vous le dis. Hein. Mais c'est intéressant quand même. Alors, on a juste ce qu'il faut, là où il faut. C'est ça? Tout à fait. Ça, c'est un modèle un petit peu plus coquin, comme oui. Tu peux voir. C'est plus sexy. Peut-être pour les go-go dancers, ça se peut faire. Et ça, il y a... Il y a plein des go-go dancers qui nous regardent. Appelez-nous. Cette modèle, ça va vous plaire beaucoup parce qu'en fait, la différence de cette modèle, c'est qu'à l'arrière, vous pouvez le régler comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez monter l'élastique comme ça et la porter comme un string traditionnel. Ou vous pouvez aussi faire ça. Et ça va être aussi très confortable. Bon, c'est un modèle qui est un petit peu plus, on va dire, comme vous disiez ici en France, olé olé, ouais. Mais qui est très très bien, très confortable. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, pour les go-go dancers. Bah, nous aussi, on pourra les porter, hein, vous inquiétez pas. Toujours. Toujours. Pas de souci. Hein. Bon, alors là, encore un petit peu de brillance. Ici, on part dans le même style. Ça, c'est un mélange, on va dire, entre un string et un slip normal. Parce que finalement, la coupe à l'arrière, c'est un petit peu plus échancré. C'est plus large aussi, ouais. Cette modèle-là, en fait, ça fait partie de nos meilleures ventes. C'est le modèle Capri de chez Joe Snyder. Et c'est un produit qui marche très, très bien. Encore, toujours très, très confortable. Et alors après, on continue. On parlait de jockstrap. En voilà un, mais c'est un façon Joe Snyder. Hein. Exactement. Ça, comme toujours, on fait les choses un petit peu différentes. Comme vous pouvez voir ici, il y a un petit, une ouverture, exactement. Et bien sûr, les élastiques qui sont très, très bien. C'est très, très confortable, facile à porter, bien sûr. Et très coquin. On reste du côté sexy, mais du côté... Non, exactement. Sauf les fesses, quand même. Hein. Quand même.
Bah écoute, là je pense qu'on a fait déjà un beau petit tour de la collection Joe Snyder. On est content d'avoir eu le privilège de découvrir cette nouvelle marque qui arrive en France.